La Bible en un an, la 141e journée, le deuxième livre de Samuel, chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 32, le livre des Psaumes, chapitre 118, verset 1 à 29, le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 5 et 6, l'Évangile de Luc, chapitre 19, verset 28 à 48. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 1. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tsiklag et il y passa deux jours. Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui demanda, « D'où viens-tu? » L'homme lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'hommes sont tombés et sont morts. Même Saül et son fils Jonathan sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts? » Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit alors, « Je me trouvais sur le mont Gilboa. Or Saül s'appuyait sur sa lance, et les chars et les cavaliers le serraient de près. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit, « Me voici. » Il m'a demandé, « Qui es-tu? » Je lui ai répondu, « Je suis Amalécite. » Il a dit, « Approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore plein de vie. » Je me suis approchée de lui et lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je te les apporte ici, mon Seigneur. » David attrapa ses habits et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel, et de la communauté d'Israël parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où viens-tu? » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment se fait-il que tu n'aies pas eu peur de porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction et de lui donner la mort? » Puis David appela l'un de ses hommes et lui dit, « Approche-toi et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite et celui-ci mourut, tandis que David lui disait, « Que ton sang retombe sur ta tête. En effet, ta bouche a témoigné contre toi, puisque tu as affirmé avoir toi-même donné la mort à celui que l'Éternel avait désigné par onction. » Voici la complainte que David composa sur Saül et sur son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux Judéens. C'est la complainte de l'arc qui figure dans le livre du Juste. L'élite d'Israël a été blessée sur tes collines. Comment des héros ont-ils pu tomber? Ne l'annoncez pas dans Gat. N'en proclamez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Sinon, les filles des Philistins se réjouiraient. Les filles des incirconcis triompheraient. Mont Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ permettant de faire des offrandes. En effet, c'est là qu'a été jeté le bouclier d'Aéro, le bouclier de Saül. Plus jamais on ne le graissera avec de l'huile. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous habillait d'un cramoisi magnifique. Il mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il pu être blessé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. Comment des héros ont-ils pu tomber? Comment leurs armes ont-elles pu être détruites? Le deuxième livre de Samuel, chapitre 2.
Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je monter dans une des villes de Juda? » L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où dois-je monter? » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta alors avec ses deux femmes, Akinoam de Jisroël et Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal. David y fit aussi monter ceux qui étaient à ses côtés, chacun avec sa famille, et ils habitèrent dans les villes qui dépendaient d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et c'est là qu'ils consacrèrent par onction David comme roi sur la communauté de Juda. On informa David que c'était les habitants de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. Il leur envoya alors des messagers pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel puisque vous avez fait preuve d'une telle bonté envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Que l'Éternel agisse maintenant envers vous avec bonté et fidélité. Moi aussi je vous ferai du bien puisque vous avez agi de cette manière. Que vos mains se fortifient. Soyez de vaillants hommes. En effet, votre maître Saül est mort et c'est moi que la communauté de Juda a désigné par onction comme roi sur elle. Cependant, Abner, fils de Ner et chef de l'armée de Saül, avait pris Ish-Boshet, le fils de Saül, et l'avait fait passer à Mahanaïm. Il l'avait proclamé roi sur Galaad, sur les Assyrites, sur Jisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël et il régna 2 ans. Seule la communauté de Juda suivit David. La période pendant laquelle David régna à Hébron sur la communauté de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Abner, fils de Ner, et les serviteurs d'Ish-Boshet, le fils de Saül, sortirent de Mahanaïm en direction de Gabaon. Joab, le fils de Tseruja et les serviteurs de David, se mirent eux aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon et ils s'arrêtèrent, les uns d'un côté de l'étang, les autres de l'autre. Abner dit à Joab, « Que les jeunes se lèvent donc et combattent devant nous. » Joab répondit qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal. 12 pour Benjamin et Ish-Boshet, le fils de Saül, et 12 serviteurs de David. Chacun attrapa son adversaire par la tête et lui enfonça son épée dans le côté. Ils tombèrent tous ensemble. On appela alors cet endroit qui se trouve près de Gabaon, Helkath Hatsurim. Il y eut ce jour-là un combat très rude au cours duquel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les serviteurs de David. Les 3 fils de Tseruja, Joab, Abishai et Azaël, se trouvaient là. Azaël était agile comme une gazelle sauvage. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Azaël? » Il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Détourne-toi à droite ou à gauche, attrape un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Azaël ne voulut pas se détourner de lui. Abner insista auprès d'Azaël, « Écarte-toi de moi. Pourquoi devrais-je te frapper et t'abattre? Comment pourrais-je ensuite regarder ton frère Joab en face? » Mais Azaël refusa de s'écarter. Alors Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient à l'endroit où Azaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner et le soleil se couchait quand ils arrivèrent à la colline d'Ama, qui se trouve en face de Guihash, sur le chemin du désert de Gabaon. Les Benjaminites se rassemblèrent derrière Abner pour former un seul bloc et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner cria à Joab, « L'épée va-t-elle nous dévorer indéfiniment? Ne sais-tu pas que cela débouchera sur de l'amertume? Quand diras-tu enfin à ton peuple de ne plus poursuivre ses frères? » Joab répondit, « Dieu est vivant. Si tu n'avais pas parlé, l'armée n'aurait pas cessé de poursuivre ses frères avant le matin. » Il sonna alors de la trompette et toute l'armée s'arrêta. Ils cessèrent de poursuivre Israël et de combattre. Abner et ses hommes marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent tout le Bitron et arrivèrent à Mahanaïm.
Joab mit fin à leur poursuite d'Abner et rassembla toute l'armée. Il manquait 19 serviteurs de David et Azaël. Cependant, les serviteurs de David avaient frappé à mort 360 des hommes de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Azaël et l'enterrèrent dans le tombeau de son père à Bethléem. Puis Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit et ils arrivèrent à Hébron au lever du jour. Le livre des Psaumes, chapitre 118. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Toutes les nations m'entouraient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, m'encerclaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronce. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que les justes entrent. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Il y a de grandes richesses dans la maison du juste, alors qu'il y a du trouble dans les profits que le méchant réalise. L'Évangile de Luc, chapitre 19. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous? » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, saint maître lui dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples remplis de joie se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. »
Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands et leur dit, « Il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres.